Coucou YouTube! Comment allez-vous? Bienvenue pour le chapitre 20 de la campagne de Fire Emblem Engage, qui va se passer dans le château d'Elusia. Après avoir repris deux anneaux à Marnie et Mauvier, le groupe atteint enfin le château d'Elusia. Parce qu'ils ont cru qu'ils allaient pouvoir nous stopper au port. Rappelez-vous, ils sont venus et on les a juste démolis. Voilà. Voilà, ça n'a pas été très compliqué. Si, on a triché! On avait triché. On a triché parce que bah j'ai que 3 bons persos et les autres, en fait, je me rends compte qu'ils puent la merde. Voilà. Et bon, on va y aller. On va continuer. Parce qu'on est là. Et qu'on veut y arriver. Let's go! Commencer le chapitre. Là, on suit bien l'histoire parce qu'on veut comprendre ce qui se passe. Hein. Suivez l'histoire. Restez concentrés. Une cour sans roi. Ouais, Zephia. What? You let them take two of our rings? I apologize. See, we figured if we stole a couple rings, you'd be proud of us. Ah, ils vont se faire... J'ai oublié qu'ils allaient se faire défoncer. Ouais, il y a un moment, Zephia va pas être gentille longtemps. Voilà, Mauvier qui prend tout. T'es sûr qu'elle le lancerait pas que t'étais pas là, bro? C'était sûr, mais mec, mais... C'est Zephia! N'importe quoi. Children when they misbehave. Tu vas faire quoi? Tu vas les tuer? Punish? What are you gonna do? Marnie, run! I don't think so. Ah, vraiment les buter là? Look at that. Both out cold. Seemed painful too. Stop your salivating. You have work to do, and I'm leaving. What should I do with them? Oh, they'll come crawling back. They have nowhere to be but at my side. I trust you won't be distracted from the task I gave you. Even as they inflict pain upon you, pay attention. There mustn't be the slightest doubt. I know. I've got to see if that loser is Lord Sombron's kid. Il me tend un piège. Style château. Oh, mais on va le retrouver, Marf, arrête de pleurer. On a un peu 10 anneaux sur 12 aussi. Hein. Je viens de me rendre compte que j'ai pas lancé le record.
Is Illusia Castle usually this quiet? No. I would at least expect royal soldiers to be standing guard. Maybe Sombron dealt with them. You mean turn them into the corrupted? No. Who needs those boring soldiers when you can have me? Briss, been a while, Divine One. Welcome. You must be tired after that long journey. Oh, and look, the long-lost princess. Got homesick, huh? I gotta hand it to you. Two more rings in your pocket. Not bad. But for the complete set, you'll need more. Like this one. The Ring of the Caring Princess. Salika. It's the real deal, too. I'll prove it. Salika! I'll give her back. All you gotta do is beat me. What is this? Nothing. What, you think Lord Sombron's gonna show up? It's one against many. We'll crush you. You know just what to say. Relax. No one's coming. If I'm wrong, I'll bite off my tongue and choke on my blood. What is this about? You want answers. You'll have to whack them out of me. Yeah? I don't know what you're after, but we won't let this chance pass us by. Get ready, Briss. We'll make you give back that ring. Now you're talking. Make me, dragon. Tear me limb from limb from limb. Il y a un guy sous roche là. Là, il y a un truc. Là, il y a un truc qui va pas. Je sais pas encore ce que c'est, mais il y a un truc qui va pas là dans le combat. Là, il y a un piège. Un trap va nous être tendu. On peut pas y avoir si peu d'ennemis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, après on est full dans le noir. Donc est-ce que... Sauvegarde avant. Il peut y avoir un... On sait jamais. On peut déraper à tout moment. I can fight. Me? Okay. I will obey. Let's go. I'm ready to go. Allez, c'est parti, on se tape les autres. J'ai le létal. Ah, j'ai pas le létal sur toi là. Ouais, je viendrai de finir avec Soren. On va prendre le risque de laisser un mage me faire des dégâts directement sur la backlane. Ah, mais je le létale comme ça. Bah, c'est bon alors. Tauron, c'est cheaté, j'ai l'impression quand même. Hein. Ah!
Ah, le salaud. Oh, le salaud. J'avais pas prévu ça, moi. Et je lui pète une barre de vie. Ok, bah nickel, c'est bon. On va juste passer pour la Wolfen. Mais comment ça se fait qu'il me fait autant de dégâts? C'est abusé qu'elle soit aussi mauvaise. Je suis désolé, hein, Anna, mais... Tu pues littéralement du cul, quoi. Ça commence à devenir chiant, là. Trop frustrant. On va mettre la fusion tout de suite, hein. Allez, venez m'attaquer. Oh bah t'as raté ton piège. Oh bébou. Oh le démon que j'ai créé. Ok, ça va que j'attaque en premier, je sais pas pourquoi j'ai attaqué en premier, mais ça va que j'attaque en premier. Oh, il m'a brise garde. Ça va se payer ça, mec, hein. Putain, je marche pas beaucoup. Let's go. Let's go, Ranger Juju. No, it's just Ranger Juju. Je faisais avec Yunaka, parce que Yunaka, elle a une très très bonne vision. Comme ça, je vais voir un peu ce qui se passe. Bon, ok, y'a plus rien ici. Bon, la vengeance, hein, du coup, non? Je pense, hein. C'est important de se venger de ceux qui nous ont fait du mal. Bien joué, Méride. Le niveau 15. Excusez-moi de bailler. Donc, on va passer en mode Soren. Un bomb engage.
commence à taper un peu. Bien joué. On en demande pas plus, hein. Juste ce qu'il faut pour avoir de la magie en plus, de la résistance en plus. Tellement mal au bide. Ouais, j'aime pas trop ça, mais bon. J'avance. On a quand même Ranger juste au-dessus, mais bon. C'est bien parce que Sidal, du coup, il va être vraiment devant. Ah, j'aurais pu passer devant les doubles recours. Faut vraiment que je joue beaucoup plus avec le double recours. Ah, j'ai pas le létal. Ah, il m'a téléporté sur eux. Ah, j'avais pas compris. Ah, j'avais pas compris ce qui venait de se passer là. Bah vas-y, fais le taf, hein. Toi, t'es déçu. Ranger Ju, déjà bientôt niveau 2. Comme j'ai mis le truc de Tiki, il a plus de probabilité de gagner des stats. Il va devenir encore plus monstrueux qu'il ne l'est. C'est fou que j'avance pas vite. Ils sont encore si loin les coffres. Je peux pas aller là. Dalle. Dalle. Ah, c'est parce que genre j'ai pas la vision dessus. Et genre quand t'as pas la vision dessus, tu peux pas avancer. On en est là, si tu vois pas où tu vas. Ok. Ça a une logique. On va pas critiquer le jeu, ça a une logique. On n'est pas d'accord avec cette logique, mais il y a une logique. Est-ce qu'il y en a ici qui ont assez de vitesse là pour venir aider un petit peu là? C'est une blague. Je vais vraiment avoir que la chute d'astre là pour toucher. On va faire ça, hein. Un peu choqué. Bim. Bien joué Meryn. Ça fera toujours un de moins. Hein. Ah ouais, hein, t'es pas dans les murs éloignés sur une cage adjacente. C'est ça qu'ils ont essayé de me faire, hein, les coquins. C'est bon, je l'étale sur le cavalier. I've got the létal. Let's go. Nickel. Je te passe devant là. Et là, on va juste aller buter, du coup, le... Oh, allez, buter lui. Parce que les mages, c'est trop dangereux, les mages. I cannot lose. Et le niveau 11, lien renforcé. Oh, ils sont mignons, les deux, ensemble. Voilà le combat de dague. A l'avantage de... Oula. Oh, les bébous, vous arrivez des bricoles si vous jouez comme ça. Hein.
Bah là... Ça, c'est qu'est-ce que tu fous là, quoi. Désolé pour toi, quoi, mais... Qu'est-ce que tu fais ici? C'est vrai qu'il n'y a pas d'archer. Oh bah Lushina, qu'est-ce que tu fais là? Bah... Tu veux... T'as quitté le jeu. Non, j'essaie de faire une pointe d'humour. Salut à toi. Bienvenue sur ce chat. Sur ce stream. On avance l'histoire principale aujourd'hui. Le but est d'avancer dans cette histoire. Savoir ce qui va advenir. Bah ouais, j'étais pas prêt, moi. J'étais pas prêt du tout. Oh, le petit cataclysme. Cataclysme, je trouve qu'il fait des dégâts nuls. Mais j'aime bien l'animation, donc je la fais. Voilà. Je trouve ça marrant. Ok. On va venir taper avec Yunaka. Je suppose que t'as déjà fini le jeu, toi. On va rester sur 6 jours. Ok, nickel. Nickel, nickel. Moi j'avance tranquille comme je le fais en stream. Bah, j'avoue, il y a des soirs, j'ai trop envie de... Genre d'aller me coucher et d'enchaîner le jeu, mais... Engage. Attendons pour l'instant. Je vais devoir attendre ici pour prendre la vision. Ok, là je pense que je vais avoir des ennemis que je ne vois pas qui vont m'attaquer. Peut-être pas mal même. Bon, Ranger Ju, bien entendu. Des formalités. Voilà. Quand on a mis le bonus de Tiki, des augmentations de stats. De la magie qu'on n'a pas besoin, mais de la défense on aime bien. Ah bon. Allez, Anna. Anna, je t'en supplie, montre-moi que. Oh là là. On va y arriver, on va réussir à faire quelque chose avec Anna avant la fin du jeu. Je sais pas encore quoi, comment on va faire, mais on va réussir à faire quelque chose d'elle. Je sais vraiment pas comment on va faire. Je pense qu'il va falloir que je la farme tellement. Déjà, il faudrait que je lui mette Tiki en vrai comme anneau. Au moins le temps de qu'elle puisse arriver niveau 5 et que je puisse lui apprendre le truc sphère. Que je prends le risque. Vas-y, c'est bon, normalement ça passe. Deux attaques de suite. Enfin, elle rate la première quand même. Hein. Parce qu'Anna, elle a ce passif. C'est pour... J'ai trop envie de jouer avec elle parce qu'elle a le fameux passif. C'est quoi qui est là-haut? C'est une hache. Non, j'ai la vie. Normalement, j'ai la distance avec Ranger Ju. Oh non, du coup je peux pas passer parce qu'il y a une case noire, c'est ça? Mais quel enfer, mais quel enfer! Je vais te faire ça avec mon moine là? Pour que tu puisses enfin passer? Mais quel enfer! Ah mais j'espère surtout qu'il n'y a pas genre 10 millions d'ennemis autour quoi! Le jeu tu l'avais fait en normal ou en difficile, Lushina? Ok, ça va. Par contre, là, il y a plein de morts. Donc, au milieu, il se passe des trucs pas cool. Du coup, ce qu'on va faire, on va faire... Je vais le mettre là. Je vais passer en fusion. J'ai l'impression que je fais en normal, parce que j'ai vraiment envie de profiter de l'histoire. Puis découvrir les nouvelles mécaniques, tranquille. Pas la jouer tout de suite. Faut que j'avance Yunaka, en vrai. Bah, elle a la vision longue, elle. Et je vais faire la fusion. Parce que j'ai pas confiance en ce qui va m'arriver. Ok. Ça va, c'est ok.
Non, pas le marteau. Je veux l'Urvan sur le grand éther. Ok. Tiens, vraie question. T'as commencé un petit peu la tour des épreuves, là? Ah, j'ai pas de remède sur elle. Ah, c'est embêtant, ça. Juste faire ça. Pour les empêcher d'aller attaquer Yunaka. Et qu'en plus, ils aillent pas attaquer en se mettant des bonus. Les sagouins. Non, on se calme. On revient là. On revient là, on va perdre le... Comment ça s'appelle? On va perdre Lucina, là. Donc, on va pas faire le malin. Let's go! C'est vraiment trop satisfaisant de jouer avec Ranger Ju. Et les deux qui prennent cher. Je pense pas que ça les tue par contre. Non, il y a PAC et Denny. Ah, le deuxième, je touche pas. J'ai pas la portée. Alors, ça, c'est sad. Ça, c'est très, très, très sadness. Ouvrir le coffre. On est là pour ça, nous. Hein. Un arc héros. Peut toujours servir. Attends, mais c'est quoi ce bordel? Il y a des gens ou il n'y a pas de gens? Yunaka, t'es où? T'es là. Je suis désolé, Yunaka, je t'utilise pour faire de l'explo. Hein. Putain, il y a un archer au milieu. Ah non, c'est un cavalier Lupin. Ok. Eh ben, un cavalier Lupin contre cavalier Lupin. Comme ça, il m'attaque pas. Putain, j'ai pas le létal. Si, j'ai le létal. Et j'ai le létal comme ça. Oh, papy! Papy cheveux roses! Yeah! C'est comme ça qu'on a un létal. Où personne s'y attend, mais on est là. On est présent et on a le létal. T'as quoi sur toi, mec? Un faucheur. Unité incompatible. C'est dommage. Ouvrons le coffre, nous aussi. Oh, le tome secret. Du coup, est-ce que je commencerai pas à booster Anna là? Vu que c'est elle qui me désespère le plus en ce moment. C'est fou ça. Mais c'est fou ça! Ah bah voilà, merci. Kourou! Oh, ça me fait chier de gaspiller une cure pour ça, mais bon. Je voulais de racheter un soin, donc on fait ce qu'on peut. Hein. De toute façon, frère, mais elle a trop de trucs chelous là. C'est parti! Et hop là! Ok, il me reste qui à bouger? Faut que tu traverses toi. Pour aider les gens à jouer plus souvent. Phase ennemie. Il se passe plus rien. Et du coup ici c'est parce que du coup il m'attaque. Ouais. Le boss nous attaque si l'on va ici.
merde. Il y avait des choses que l'on n'avait pas encore vues. La brise garde qui l'empêche de contre-attaquer avec sa grande hache en argent. Bien joué, Diamond. Un peu de force de la défense. On s'attendait à mieux, mais c'est pas grave. On va essayer d'aggro le jeune homme à la lance. C'est comme ça qu'on va l'appeler comme ça maintenant. Il sera appelé le jeune homme à la lance. Oula. Hop là. Ok. On commence à aggro un peu les gens autour de lui. Oh, bah attends, mais j'espère que ça va pas l'aggro lui en fait. Si c'est l'aggro lui, je suis un peu déçu. Moi je tiens juste à aggro les petits machins à côté, mais je veux pas que lui sorte de sa planque là. S'il va pas vers Ranger juste, ça peut être catastrophique. Et j'ai encore deux coffres à ouvrir. Ah, il a bougé. Ok. Alors là, il a bougé. Les coffres. Alors là, c'est-à-dire qu'il faut le tuer à ce tour-là. Une lame d'argent, inutile. On la revendra. J'aime vraiment pas leur nouveau système avec les armes lourdes là qui repoussent les... Un secours, ça c'est cool par contre. Létal. On n'a pas le létal. On va tenter le critique. On va tenter le critique. Là-haut, là-haut. Oh non. L'agilité à l'arc. Je sais pas pourquoi je joue avec cet emblème-là sur... sur diamant. J'ai dû mettre Roy. Roy, c'est bien pour... deux, c'est deux gros guerriers, là. Comme d'hab, hein. On va pas se prendre la tête, hein. Etty, est-ce que tu peux nous enlever, s'il te plaît, une barre entière de vie au boss? Je te remercie. Merci beaucoup, Etty. C'est vraiment... Mais alors, par contre, cet emblème... C'est vraiment l'emblème le plus pété du jeu. Quoi qu'il y a Lef qui est pas mal aussi. Il y a vraiment des emblèmes surpétés, hein. Oh la vache. Et bah, il n'a plus qu'une barre de vie. Pour récupérer les petits trucs jaunes. Je sais pas s'il y a de l'XP, des trucs comme ça. Ok. Ah, mais je suis con, faut que j'attaque à distance. Me suis-je bête une fois, chalet? Comme ça, la Anna, tu peux avoir l'étal et gagner un peu d'XP. Non? C'est vrai que ça fait gagner plus d'XP en plus. Anna, 86% de chance, mais t'es même pas à 100% contre un simple mage. Seriously? En plus, t'as rien gagné. Moi là. Force et défense plus 2. Et c'est finito. Je ne vais même pas me transformer pour toi tellement tu ne mérites même pas que je me transforme pour toi. Mmh.
Fin du game. La tentative de contre-attaque qui touche. Il avait 12% de chance et il me touche. Non mais incroyable. Il a donné le meilleur de lui-même. Bien joué Gris quand même. Je suis obligé de lui dire et enfin. Enfin on avait trouvé Excalibur. Putain. J'avais un emblème qui broquait avec Excalibur. La fusion entre l'unité et l'emblème est prolongée d'un tour. Ça c'est cool. Oh, 8 tours c'était fait. OMG. 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 Eh bien YouTube, c'est fini pour le chapitre 20. Du coup, si je me trompe pas, oui, chapitre 20. Bah voilà. Facile, un chapitre facile. Il n'y a pas un seul moment où on a eu peur de perdre quelqu'un. À voir pour la suite, du coup, là, on n'a pas trop avancé dans l'histoire. On ne sait pas trop ce qui va arriver. Voilà. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour le chapitre 21, qui sera sûrement demain. Ciao, ciao!